Salut mes amis, on va résoudre l'exercice 3 du chapitre fonction affine. Donc on a f est une fonction affine telle que f de x égale à moins 1 sur 2x plus 3. Donc la première question, c'est de calculer l'image de 0 par la fonction f. Donc on a f de x égale à moins 1 sur 2x plus 3. Donc f de 0, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par 0. Moins 1 sur 2 fois 0 plus 3. Donc f de 0 égale à 0 plus 3. Donc l'image de 0, c'est 3. La deuxième question, calculer l'antécédent de 1. Donc pour l'antécédent de 1, c'est-à-dire f de x égale à 1. Et on a f de x, c'est moins 1 sur 2x plus 3. Moins 1 sur 2x plus 3 égale à 1. Donc l'antécédent de 1, c'est-à-dire on va résoudre cette équation pour trouver la valeur de x. Donc 1 sur 2x égale à 1 moins 3. Donc moins 1 sur 2x égale à moins 2. Donc x égale à moins 2 fois moins 2, donc x, alors l'inverse de moins 1 sur 2, c'est moins 2, donc x égale à 4. La troisième, on va représenter la fonction f dans un repère O et G orthonormé. O, I, G, donc O et 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, et OG c'est 1, 2, 3, 4, et on détermine deux points appartient aux représentations de la fonction. Pour la représentation de la fonction f, c'est une droite. Donc on prend le point A et le point B, et le point B, x, et pour y, c'est f de x. Y, c'est f de x. Donc, on détermine deux points appartient aux représentations de la fonction f. Donc, on a déjà le point 0 pour x égale à 0. Donc, l'image de 0, c'est 3. Et pour le point, le deuxième point, b, donc pour x égale à 4, on a l'image de 4, c'est 1. Et on construit le point A et le point B. Donc, pour le point A, alors le point A, 0, 3. Pour le point C, le point A. Pour le point B, on a 4 et 1. Donc on a le point A et le point B. Oui, on relie entre les deux points. Et on a construit notre représentation graphique. Et voilà, on a terminé notre exercice. N'oubliez pas de partager cet exercice avec vos amis.